Khan Younes, ville palestinienne du sud de la bande de Gaza, touchée par les frappes de l'armée israélienne. Dans la confusion, ceux qui le peuvent fuient le plus vite possible, quand d'autres, comme cet homme, tentent de s'extraire des décombres. Il sera finalement secouru. Plus au nord, dans la ville de Gaza, c'est cette voiture qui a été prise pour cible. À son bord, selon le Hamas, quatre de ses militants, ils auraient été tués. Car après les salves de roquettes lancées sur Israël depuis la bande de Gaza, l'État hébreu a décidé de répliquer par les airs. Nom de l'opération, bordure de protection. Sur ces images de l'armée israélienne, ce sont les sites d'activité du Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza, qui sont visés. Et pour faire cesser les attaques, l'armée israélienne se dit prête à toutes les options, y compris l'offensive terrestre contre l'enclave palestinienne. Des dizaines de chars israéliens sont déjà déployés près de la frontière avec Gaza, alors que le gouvernement israélien a autorisé le rappel de 40 000 réservistes.